Vasseur est confiant, d'autres améliorations arrivent pour Ferrari. Donc c'est plutôt prometteur. En F1, même quand on a bien travaillé, il faut travailler pour faire encore mieux. Si vous avez l'impression d'être arrivé, vous êtes mort. Bah oui, il faut toujours. Il faut pas relâcher ses efforts en fait. C'est ça le truc. Si on regarde Miami, Imola et Monaco, on parle d'une différence de quelques dixièmes. Ok. En troisième année d'essai de réglementation, nous assistons à une convergence des valeurs et d'idées. Ce n'est pas inhabituel, même si la bataille à trois aux avant-postes est rare en Formule 1. Championnat, nous n'avons même pas besoin d'y penser. Ferrari doit maintenir son approche et essayer de s'améliorer course après course. Le Français s'est clairement concentré sur l'ici et maintenant plutôt que l'avenir. J'ai de bons sentiments pour Montréal, ce sera un circuit différent et quelque peu atypique, avec beaucoup de virages lents et de bosses pour attaquer, mais avec des vitesses de pointe très élevées et des réglages de charge faibles d'appui. Lorsque nous avons effectué ces tests, nous avions déjà une configuration de base prête, maintenant c'est un peu différent. Barcelone a un bon mélange de virages et est strict sur les pneus, mais je pense pas que la hiérarchie sera bouleversée par rapport aux 8 premiers Grands Prix. Ferrari a changé son approche sur les développements. C'est le résultat de l'analyse de la saison dernière en qualif. Nous étions compétitifs, mais le dimanche, on perdait trop de points. C'est pourquoi nous avons décidé d'adopter cette approche différente cette année. Ah bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est pas au qualif qu'on marque les points, donc forcément, ouais. Ils ont bien fait, quoi. Putain, mais c'est long, là. Waouh! Lorsque vous apportez des mises à jour, vous devez également évaluer comment ça peut modifier la configuration. Vous faisant peut-être perdre quelque chose de ce côté-là, il faut ensuite réfléchir au moment où vous souhaitez les amener. S'il y a une course sprint, si le circuit est adapté, si vous pouvez avoir les pièces de rechange prêtes à temps. Avec le plafond budgétaire, il y a beaucoup plus de variables à considérer. Nous avons introduit quelques nouvelles fonctionnalités il y a une semaine, il est donc tôt pour parler de nouvelles mises à jour. Mais nous continuons à pousser, nous devons nous assurer d'apporter des solutions à la piste qui peuvent nous apporter un profit décent. Le travail de développement nous rapporte davantage de revenus. Nous apporterons donc les mises à jour dès que possible. Très bien, bah à voir ce que ça va donner Ferrari dans les prochaines courses.